Bonjour YouTube. Regardez, même heure, même endroit. Enfin non, pas même heure, mais même endroit. Parce qu'on n'a pas bougé. Staline. Camarade. C'est bien fait chier dessus, hein. Ok, avançons, hein. J'irais bien quand même dans cette maison. Au moins c'est bien, on va dire, ils ont respecté le fait que ça soit tout écrit en russe. Qu'est-ce que... Voilà, ça. Je suis étonné de pas trouver un bouquin, une explication. Encore des dessins d'enfants. Un enfant. Ah. Cher papa Noël, je m'appelle Léa, j'ai 8 ans. J'étais très sage cette année. Je n'ai pas été lâche. J'ai tué et dépecé 2 cerfs. Et j'ai blessé un bandit à la jambe. Pour de vrai. Alors pour Noël, je voudrais bien recevoir une lettre de ma maman et de mon papa. Si ça ne t'embête pas. Ah, est-ce que potentiellement ça serait pas par exemple des enfants qui ont été éloignés des villes pendant la guerre nucléaire, après tout, qui a eu lieu. Hop, on pisque les masques à gaz aux enfants, hein, bien sûr, comme ça. Pourquoi le mien est vert? Bon, je sais pas. Ça s'allume pas, dommage. Je sais pas, j'ai récupéré plein de carreaux d'arbalète, mais je ne sais toujours pas. Ah non, par contre, ça me trigger en fait que... Je peux rentrer dans cette maison. Non? Vraiment? Même par le haut là? Bah visiblement non, d'accord. Ouais. Quand on range son arme, il court plus longtemps. Il court pas plus vite, il court plus longtemps. Eh ben il doit vraiment s'ennuyer. Halte là, on bouge plus. C'est le territoire des frères de la côte. Un pas de plus et tu subiras notre châtiment. Oui là. Un pas de plus et tu mourras. Ouais, alors ouste marin d'eau douce, si tu veux pas marcher sur la planche. Un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui. D'accord, vous me dites de pas avancer et vous vous barrez. Vous êtes quand même très très con. Okay, visiblement l'arbalète c'est très chouette. Ah, c'est évident que c'était A. Ah. Comme ça je peux enfin rentrer. Visiblement les enfants avaient quelque chose contre les adultes, hein. C'est... Et ils ont gagné, je pense. Non. Non, non, éteins ça. Bonjour, monsieur. Ah, lui, il avait l'air encore frais, hein. Lui, il est un peu moins frais, hein. C'est... Excusez-moi, ça gratte. Ah, on va peut-être avoir un début d'explication avec ça. Voilà. Vicky et Tuchan ne reviendront pas non plus. Les employés du barrage ont dit qu'ils les emmèneraient en ville, mais
d'autorité pour les en empêcher. Mais à l'époque, j'avais encore espoir qu'on nous évacue. Je me faisais des illusions. Je m'en rends compte maintenant. Qui viendrait nous évacuer quand il n'y a que de la friture sur la ligne? Les secours ne viendront pas. Encore une fois, a-t-on vraiment besoin des secours? Notre vallée ne constituait clairement pas une cible. Même les retombées nous ont épargnés. Le compteur n'indique aucune radiation, même à proximité des tuyaux d'évacuation. Les enfants sont bien préparés. Tout ce temps passé à randonner aura été utile. Ce sera simple de leur apprendre à chasser. On a tout le nécessaire et on pourra fabriquer ce qui nous manque. Je vais arrêter de me poser des questions. On prendra les problèmes comme ils viennent. La survie passe avant tout. Ouais, le professeur les a transformés en guerriers, c'est pour ça que d'ailleurs la plupart n'ont pas fini leur parcours scolaire et ne savent pas écrire frère ni les autres mots. Voilà, la conjugaison, l'orthographe, hein, c'est important. Allez. J'allais dire on fait trempette, mais... Non mais qu'est-ce qu'il fait, bordel de... Voilà, merci. Les douches. C'est ce que je voyais de l'extérieur. Oui, c'est ce que je voyais de l'extérieur. Ils ont foutu quand même un sacré bordel, hein, les... Attendez. J'ai sauvegardé parce qu'on sait jamais, peut-être potentiellement ne pas tuer ce serpent. Visiblement, c'est ok. Hé hey, les jumelles. Formidable. Ok, je vois rien. Merci. Bon, j'ai jamais compris à quoi servaient les lunettes de vision nocturne, mais visiblement, je les ai récupérées. Ça servira peut-être plus tard. Donc voilà à quoi servait toute cette zone. C'était pour récupérer ça. Nom de... Où est-ce que je m'aventure? Tu nettoies ton casque. Tu nettoies ton casque où il y avait du sang dessus, mais oui. Écoute, ça fait un moment que je vais te le demander. Toutes ces histoires de pirates, les cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur? Le professeur voulait qu'on se défende! Bah rien de tout ça est utile. Les bandits ont encore été vus au village. Et nos gars ont capturé un vagabond aujourd'hui. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on leur refasse la leçon. C'est pour ça qu'on est là. On va en attraper un ou deux et faire de nouveaux épouvantails. Ben, les bandits, je comprends. Ils font des trucs affreux par ici. Mais ce nouveau vagabond a pas l'air d'être un bandit. Peut-être qu'il faisait que passer. Si c'est pas un bandit, il aurait pu passer à côté de nous tranquillement. Mais non, il est sorti de la rivière. Pour moi, en faire un épouvantail, ça dissuadera bien les autres d'approcher. Je suis vraiment pas sûr, là. On aurait peut-être pu parler, hein, mais... Hop là, on a récupéré un viseur sur notre arbalète.
Coucou. Hey, qui c'est là-bas? Allons voir. Satané vagabond. Grosse infiltration. Bon, faut espérer que c'était une classe de jeunes filles avec 2-3 hommes dans le lot. Ah, ça y est, on repart sur l'infiltration. Mon skill légendaire va pouvoir s'exprimer. C'est bon, on va rester bloqué là 4 ans. Alors, par contre, je suis convaincu qu'eux, il faut pas les tuer. Vous voyez, machin, le professeur. Donc là, je l'assomme et j'en suis très très content. On récupère les munitions, l'arbalète. On change notre fusil d'épaule. On éteint cette merde. J'hésite à attendre qu'il fasse sa ronde, lui. Mais est-ce que je suis censé aller là? Elle est où, ma carte? C'est pas J? Ouais, si, c'est bien là. Oh, la zone est grande. Ah, c'est bon, Jackie est passé. Vous les entendez? Ballon. En fait, c'est des enfants qui ont pas. C'était magnifique. T'es un vrai champion. Je vous avais dit que ça s'appelait des virevoltants. Hein. En anglais, c'est Thumbloid. Vous pensez que c'est par là, là? Ok, j'en ai un là, un là-bas. Oui, on a toujours le bip-bip, hein, c'est le détecteur de mouvement, donc. Puis ça devrait le faire aussi. Hop. C'était pas loin quand même, hein, quand on entend le. Alors le bip-bip m'indique qu'il y en a deux là-bas. On va peut-être essayer de les contourner, hein, parce qu'on s'en fout un peu. On s'en fout même royalement, je me suis juste déplayé un petit peu le terrain pour avancer. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Merci le jeu. Les fucking toiles d'araignée.
C'est vous qui faites des bruits de pas comme ça? Alors est-ce que vous pensez que je peux faire celui de gauche sans que celui de droite me repère? Pas discret le bip bip. Ah oui, alors le voilà, faut il y a pas cette notion de ils m'entendent. Ils entendent mon bip bip, hein. Faut bien se dire qu'il n'y a pas cette notion là. Et au niveau de l'intelligence artificielle, on va être, c'est de la merde, hein. On va être honnête, à ce niveau là c'est de la merde, hein. L'intelligence est relativement nulle, mais c'est pas grave, on y joue. Vraiment, je pense qu'il faut pas jouer à ce jeu là dans l'optique d'avoir un bon FPS, mais plutôt de l'avoir dans l'optique d'avoir un bon jeu à histoire avec voilà, un FPS, hein, c'est... Bon, j'ai cramé ça, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. L'intelligence artificielle est nulle à chier. Et il y a cette notion de si la petite lumière que j'ai au-dessus de mon compteur de montre, là-bas, ne devient pas bleue, c'est que ce n'est pas lumineux et donc il ne me voit pas. Un petit peu la... Je sais pas si vous vous souvenez, dans Splinter Cell, il y avait une barre de détection, un petit peu de voilà, de luminosité. Si ma lumière bleue là n'est pas allumée, c'est que je suis considéré complètement dans le noir, même si on a l'impression qu'ils peuvent me voir. Ouais. Donc le bip-bip, ils l'entendent pas, et voilà, tant que j'ai pas une petite lumière bleue au niveau de ma montre, il n'y a pas de problème. Je suis caché. Je suis caché. Là vous allez voir, logiquement, en m'approchant de ce feu, voilà, ma lumière s'allume. Tac, j'éteins le feu, regardez la petite lumière sur ma montre. Voilà, elle s'éteint. Bon bah je suppose qu'il faut monter, hein. Mais avoir un éléphant qui marche à côté de toi. Ah non, mais Artyom est spécialiste de l'infiltration. Par contre, j'ai toujours pas repéré mon pote, hein, soit dit en passant. Oh, il a des carreaux explosifs, lui. Dans le doute. Hop, on éteint ça. Ah, une autre carte postale, c'est... Non mais moi je pensais que c'était ça que j'allais interagir, pas cette putain de cloche. Je fais tout bien, infiltration. Je suis là! Venez me chercher! Mais quelle idée d'avoir laissé aux joueurs la possibilité d'actionner la cloche pour se faire repérer! Quelle est. Moi je pensais que c'était pour ramasser une carte postale! T'étais là, toi? Oh, t'étais de l'autre côté. Comment ça va? T'es calme? Comment ça? Non, comme moi, je suis bien. Voilà. J'avance, hein, tout le temps accroupi, en mode discrétion. On est d'accord que j'ai rien à branler là-haut. En fait, je viens ici sans savoir ce que je suis censé y faire. Nous avons passé l'âge de rester au camp.
Ah, ils ont signé un serment solennel. Arthur, s'il te plaît, réponds à vous. Vous allez bien tous les deux? Est-ce que je pourrais répondre à ma femme, s'il vous plaît? À vous. N'en fais pas tant, Anna. Anna, ils ont dit que leur bois était à peine assez solide pour la résine. Avec les secousses, leur grosse radio a pu chanter et les petites sont pas assez puissantes. Par contre, ça me rend fou la lumière là. D'où est-ce qu'elle vient? Comment je contacte mon phone? Parce que j'ai pas envie de redescendre avec la tyrolienne, puisque du coup ça ne. Hein, ça ne m'apporte rien. Qu'est-ce que je suis censé faire dans ce putain de camp? Bon, je me suis occupé de tous ceux qui sont en haut, hein. Tant pis, on va s'occuper de ceux qui sont en bas aussi. Chaque fois, j'ai la parano de vérifier est-ce que ils m'ont bien laissé accroupi. Dans quel ordre? Attendez, on va sauvegarder hein, pour éviter de faire des conneries. Toi d'abord, je pense. Nya. Une fois que je les aurai tués. Voilà, j'aurais dû éteindre la lumière avant. Vous voyez ? Bon, on s'en fout. J'ai bien fait de sauvegarder avant. Je suis censé aller chercher mon pote, mais ouais, mais le jeu me dit qu'il est là, non ? L'objectif, il est là. Donc, c'est-à-dire que mon pote est là. Et on va l'appeler Iron, parce que c'est mon pote Iron. Voilà. Donc vous savez quoi? On va descendre sans tuer personne. Ok, tout le monde s'en fout. Je me disais ça va faire du bruit, ça va être terrible. Pas du tout. Ouais. Ok. D'accord. Mais je veux toujours pas les tuer, hein. Je suis très content d'avoir trouvé ça, mais je veux toujours pas les tuer. À la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Donc lui, il y en a un ici qui me casse les noix. Hein. Ouais. Bon sang, c'est pourtant pas la saison du pollen. Ah, il est allergique aussi. Il est où? Il me casse les... Non, c'est ça. On est bien d'accord que la mission, elle est ici. La mission, elle est ici. Après, si c'est juste traverser le camp, pas de problème. Hein. J'ai assommé la moitié des gardes, mais... C'était peut-être réellement aller à la tyrolienne en fait. Non. Non. Non.
Le mec qui fait sa ronde, il est... Oh, purée. C'était la tyrolienne. D'accord. Mais ils auraient dû m'indiquer plus loin et ça aurait été à moi de comprendre qu'il faut que j'utilise la tyrolienne pour traverser. Et pas mettre l'objectif là pour finir... Ouais. Ça se discute. Au moins, on a trouvé cette arbalète à zoom. Bon, il y en a plusieurs qui se réveilleront avec un mal de crâne, mais bon. Dommage collatéral. Vous pensez que je peux me mettre à courir? Parce que là, je commence à avoir mal aux genoux. J'ai les adducteurs qui travaillent. Artyom est un vieux monsieur. Il restait 4 mecs en vie. Hein. Enfin, à bouger. Je rappelle qu'on les tue pas. Mais ils n'apparaissent plus sur le détecteur. Et là, re-radio ou c'est fini? Yippie! Au pire, vous inquiétez pas, on a sauvegarde. Ah! Lumineux, parce qu'on a tué personne. On cherchait pas un lieu sans mutants. Bon, bah du coup ça va pas être notre destination finale, hein. Monsieur. Est-ce que je pourrais avoir un... Non. Un putain d'atelier pour avoir une bière. Une petite bière. Voilà. Objectif suivant, c'est où? Ah! C'est juste traverser la pampa. Eh bien, de soit. Sans se faire boulotter. Foutez-moi la paix. Je suis en train de regarder hein, s'il n'y a pas d'autres armes dans lesquelles monter. Ouh, bonjour. Ah, c'est le copain qui me léchait les testiboules tout à l'heure. Non mais la vision nocturne. Non mais non. J'aurais préféré garder la lunette. Ah d'accord. Non mais moi je suis un ami de la nature. Hein. Disparut. C'est jamais hein, si le gros arrive. Y'a le gros monsieur d'abord. Voilà, c'est à mon avis les trucs contre les enfants de la forêt. On terminera le fumoir. On ira voir comment se porte la ville. Ah, je peux dormir ici. Une cabane dans les bois.
Vous savez, on va peut-être le dompter, hein. Ça sera peut-être notre nouveau copain. Je l'offrirai à Anna. Je l'appellerai Nounourson. Mais non, mais bordel. Voilà, merci, arrête de bugger. Allô ? Allô ? Oui ? Merci. On est d'accord par contre que ça va absolument pas vers mon objectif. Ah si, d'accord. Bah, très bien. Je pensais pas. Qui est une grotte ? C'est un petit lapin. Non mais lui il siffle, c'est un pote. 100% c'est un pote. C'est un pote, regardez. C'est un vrai pote. Ça manque juste d'une arme à distance non létale. Voilà. Mais là, on retombe sur du Splinter Cell, machin. D'accord, c'était les sons du monsieur qui souffrait avant que je... Voilà. Quand on reprend la sauvegarde, ça garde les sons de l'ancien... Alors lui, ça a pas l'air d'être un mec très très sympa. Vu ce qu'il bouffe. J'ai dit c'est quoi ? Les mains dans les mains. Deux volumes de graisse, cinq volumes de térébenthine, un volume de cire. C'est que vous bien, ça colle parfaitement. Ça brûle fort. Il a trouvé un nouveau truc explosif. C'est ça. Donc on récupère des molotovs. Ah. Oh. Oh. Et on récupère une arme à feu. Pour faire pan-pan à son petit cul si nécessaire. Mais finalement, hein, il y a beaucoup de survivants. Hein. On pensait pas, mais... on était bien dans le métro finalement. Bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de descendre. Je voulais éteindre la lumière, mais je peux pas. Là, je peux. Ah, bah là, peut-être que la vision nocturne peut éventuellement nous servir. Éventuellement. Attends, le champignon d'abord, non, je peux... Oui. Voilà, maintenant le champignon, maintenant je passe. Moi j'ai entendu un serpent. Ah, il considère l'arbalète comme étant numéro 3. Très bien. Je sauvegarde. Je vois rien. Oh, du coup, couscous. Ah mais si c'est la sortie, c'est pas ce qu'on veut. Trop d'effets de lumière. Hein.
Ah non, c'est plutôt ici le loot. Je l'ai senti venir. Je l'ai tellement senti venir. Je l'ai tellement senti venir. J'ai essayé de m'en éloigner, mais c'était trop tard. Non, il est sérieux? D'accord, merci Artyom. C'est super héros, mais il se noie dans une flaque d'eau. Ça m'a tellement fait peur. Bon allez, super, sortons. Mais dans la prochaine vidéo, pour les amis du YouTube. Au revoir.